Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc on va semer les tomates, tomates cerises, poivrons et aubergines. Allez, c'est parti. Bien, alors les tomates et tout ce que je vous ai cité, aubergines, poivrons, on se sème, enfin généralement on se plante, mais au moins je vais faire donc comme j'avais dit un essai pour tout semer cette année. Normalement les tomates on les plante hein, avec des petits plants qu'on achète dans les jardineries ou qu'on fait soi-même. Mais comme je vous ai dit, on va essayer de faire ça un semis en espérant que ça fonctionne, hein, croisons les doigts. Donc c'est parti, donc on va déjà commencer donc à faire le semis de tomates et puis après à la fin de la vidéo on va faire le semis d'aubergines et de poivrons. Allez, c'est parti. Bien, donc j'ai déjà préparé le terrain pour les tomates hein, donc j'ai fait une petite butte hein. C'est très important de faire une petite butte pour les tomates hein, que ce soit les planter ou semis. Ça garde super bien l'eau, c'est pour ça donc, que j'ai mis une butte et j'ai aussi mis des tuteurs hein, pour faire tenir les plants de tomates contre. Bon, on va passer au semis, c'est parti. Voilà, semis de tomates terminé, donc vous pouvez juste voir hein, donc c'est des toutes petites graines qui se plantent vraiment maximum 1 cm, pas plus, sinon ça aura du mal à la lever et à la germination, donc vraiment que ce soit le plus petit centimètre quoi. Voilà, donc faut aussi voir que c'est une terre très très fine, c'est vraiment faut vraiment que la terre soit bien fine, bien meublée et aussi qu'elle soit bien chaude pour vraiment favoriser la germination. Mais je vais arroser tout à l'heure vraiment, mais je vais montrer ça aussi tout de suite après. Mais avant ça, on va s'attaquer maintenant au semis d'aubergines et poivrons. Allez, c'est parti.
bien qu'on peut le voir, hein, donc ça se sème, c'est des petites graines hein, aussi à 1 cm du sol, hein, pas plus profond. Avec une terre bien fine et bien réchauffée aussi, parce que c'est quand même des légumes, des plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup de soleil et de chaleur, c'est très important. Voilà, bon, je vais passer à l'arrosage, je vous montre ça tout de suite. Après le semis, donc, ce qui est poivron et aubergine, hein, c'est tous les 60 cm. Quand même assez l'écart entre les plants parce que c'est quand même des plantes assez conséquentes, donc vraiment qu'il y a beaucoup de place. Voilà. L'arrosage se fait vraiment à une petite fine de pluie. Il faut vraiment que les gouttes soient vraiment légères pour éviter, vu que c'est des toutes petites graines, s'il y a des grosses gouttes qui tombent et qui font une croûte de bâton, vu que c'est un sol argileux, ou sinon ça va détruire le semis. Donc, il faut vraiment un arrosage vraiment très très fin, comme vous pouvez le voir. Et voilà, j'en termine pour cette vidéo, donc c'est la fin des semis, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à vos futurs semis ou plantations dans votre potager. Moi je vous fais une vidéo la semaine prochaine pour voir le résultat du semis, j'espère qu'il est réussi. On croise les doigts et je vous dis à la prochaine, allez, ciao.